un grand merci à tous les internautes. Je m'abonne à l'Isanga Force TV. Je suis abonné à la chaîne Nabiso. Je suis toujours abonné à tous les gens qui ont été bien. Je remarque que je suis abonné à la chaîne de Nabino. Ce qui est vraiment un Nabino, il y a un Awa. Na vidéo ko sala émission c'est parce que na landa ki moi élément moko o et touché ki nga vraiment porté nga à cœur alors na monali kama bona ko ka collection ngote et tant que journaliste et aussi et tant que être humain et tant que mutu pom e ko kosa la pe membre famille na ba ko sala lo kwa bongo yango tini nga na sala vidéo oyo avant na banda ko loba lo bebele bele na oti ka bino na no bolanda na no maloba o bolanda na no image oyo et puis nga na bino tout s'est retrouvé juste après. On vient d'arriver à la commune de Kinshasa. Par rapport à ce que j'ai écrit ce matin, une jeune fille, une petite fille, c'est parce que c'est vraiment une petite fille de 13 ans qui a été violée par les autres élèves parce que, comme on dit, Kanela Kiyé. Et ils l'ont drogué une petite fête qu'ils avaient organisée juste pour la faire du mal. Et elle a été violée. Et parmi ses enfants, il y a des enfants de, comme on dit ici, parce que leurs papas sont soit des ex-ministres ou des ex-sénateurs, sont connus sur la place. Ce qui n'est pas tout à fait normal lorsque ses parents appellent la maman de la petite fille pour la menacer qu'elle retire sa plainte. Et un autre parent a voulu carrément faire fuir son fils parce qu'ils ont des moyens. Donc là, on est dans la commune de Kinshasa. Pour les parents qui sont ici à Kinshasa, je nous invite à venir nombreux soutenir cette famille. C'est pas normal. Je veux juste dire à tous ces parents qui sont en train de faire de menacer la famille de la petite fille, j'aimerais vous voir, vous, que soit votre fille qui était à cette place-là et que votre fille ait été violée à 13 ans par 11 amis de son école, de sa classe, je ne sais pas comment vous allez réagir. Je suis venu vraiment soutenir cette famille parce que ce n'est pas normal. Au nom de rien, que vous soyez ministre, que vous soyez député, que vous soyez sénateur, vous êtes censé protéger la population. Donc vous imaginez ici à Kinshasa que ça se passe comme ça. Je ne parle même pas de l'intérieur du pays, je parle de Kinshasa. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est sérieux? Justice doit être faite, quel que soit le rang que vous avez aujourd'hui. Imaginez-vous que c'est votre enfant, imaginez-vous que c'est l'enfant de votre soeur, de votre frère, de votre connaissance. Mettez la photo de cet enfant à la place de la photo de vos enfants. Comment vous allez réagir? C'est juste pas normal, pas normal du tout, pas normal du tout. Donc on est venu là pour soutenir. Pour le moment, il n'y a que le député et moi. Et je ne vois pas encore les autres personnes. Vraiment, je le demande à venir. C'est à la zone même à la commune même de Kinshasa. Donc nous sommes là. Normalement, ça commence à 9h30. Et j'aimerais vraiment voir les parents de ces enfants qui ont violé une autre petite fille pour voir comment eux, en tant que parents, sont en train de réagir. Parce que réagir en menaçant, c'est juste pas normal. C'est juste pas normal. Vous menacez de mort. Donc vous trouvez normal ce que vos enfants ont fait? Vous trouvez ça normal? Vous ne demandez même pas pardon, mais vous menacez, vous appelez la maman de cette petite fille pour la menacer, pour qu'elle retire sa plainte, parce que vous allez la tuer. Est-ce que c'est sérieux? C'est comme ça qu'on éduque nos enfants? Quelle éducation vous êtes en train de poser sur vos propres enfants? C'est juste pas normal. Donc là, on espère qu'il y aura du monde. Moi, j'ai annulé tous mes rendez-vous de ce matin. J'ai annulé tous mes rendez-vous de ce matin parce que je crois que c'est prioritaire. Ma dernière fille a 22 ans, mais j'ai les enfants de mes soeurs, j'ai les enfants de mes cousins, j'ai les enfants de mes amis qui sont encore petits. Donc on ne pourra même plus faire confiance d'envoyer nos enfants à l'école. Parce qu'il y a les enfants dont les parents portent des grands noms. Ils éduquent mal leurs enfants, c'est qu'il faut vraiment le dire, ils ont mal élevé leurs enfants. C'est quoi ces histoires? Donc voilà, je voulais juste je suis vraiment offusqué, je suis vraiment en colère. Et il fallait que ça sorte. C'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Et on attend. On attend que d'autres parents arrivent. Vraiment, si c'est possible, vous les parents, nous sommes à Kinshasa. Quels que soient les rendez-vous que vous avez aujourd'hui, ce serait vraiment magnifique de venir soutenir cette pauvre maman, ces parents qui sont en pleurs, qui n'ont personne d'autre que Dieu et nous, la population de Kinshasa. Ce serait vraiment magnifique de venir se mobiliser, soutenir cette famille. Et on va voir ces ministres et ces députés, sénateurs que le peuple a élus. Comment ils vont réagir? Parce que je n'ai pas envie de citer le nom de ces sénateurs-là, mais si ça continue et qu'ils continuent à menacer, on va citer leur nom. On va citer leur nom et on ne va pas laisser tomber.
On ne va pas laisser tomber. S'il y a une justice ici, dans ce pays, que justice commence maintenant avec cette petite fille de 13 ans. Ce n'est pas normal. Et que l'école refuse même. Et l'école dit parce que ça s'est passé à l'extérieur de l'école et que ce n'est pas leur problème. Mais vous, là, les responsables de Révérend Kim, est-ce que c'est sérieux de votre part de dire ça? C'est sérieux de votre part de dire que ça s'est passé en dehors de l'école, donc ça ne vous concerne pas? Vous êtes des parents? Vous, les responsables de Révérend Kim, vous êtes des parents? Vous êtes des parents? Et en plus, la maman de cette petite, vous avez déjà prévenu de beaucoup de choses qui se passaient lorsque les enfants organisent des activités à l'extérieur. Et vous n'avez rien fait. Et vous vous permettez de dire que ça ne vous concerne pas, mais vous êtes concerné. Parce que quelque part, une partie de l'éducation de nos enfants dépend des écoles aussi qu'ils fréquentent. Hein? C'est quoi ces histoires? Donc on vous attend nombreux. Vous êtes à Kinshasa, nous vous entendons nombreux en fait ici. Et je vais refaire encore le direct une fois qu'il y aura d'autres parents qui seront là. Merci beaucoup. Nous sommes à la commune de Kinshasa. Voilà, bah tu peux lancer image oyo, bah tu peux illustrer bien oyo maman oyo avec soutenir famille oyo bah violer moi en abango et pas y a 9 garçons, bango non se basa bah mineur. Moi la moi sur moi non bah violer azan à 13 ans. Moi non bah violer azan à 13 ans bah violer et pas y a 9 garçons oyo bah âge bah 15 ans, ti 17 ans, bango non se peut basa bah mineur. Mais bah violer moninga bah violer quoi nini, bah benga qui na fête. À partir à fait, on a qui va droguer, ne va violer. Alors famille à victime, bazali menacée et pas à parents, y a baba na oyo va violer moi nana moi si pour soi disant, bah on bazana ba famille moko renommé, bah ba famille moko réputé. Ce qui vous met le coup est tini ganer ça la vidéo et ça pour nanini. Nous savons que bah faible et belé, bazara vraiment la justice moko équitable été. Faute de moyens, faute de pouvoir, faute à marambre belé, en gros ça là qui est. Au gros, on a raison, mais on perd en gros peut-être pas aux Ali, n'a renommé mon robot été. Et ça n'a pas si pourquoi, pourquoi pas aux Ala membres, vraiment quoi, famille n'a pas, bah quoi, que ça l'est l'okoana. Comme on a déjà une jeune fille de 13 ans, c'est une adolescente, moi on a 13 ans, qu'on violé, et pas banane, pas 9 garçons, bon bébé si vie à moi, on est à bateau. En tout cas, on a justice et ça a nango. Justice et ça a nango. Ce n'est pas dit que quand on est pauvre, nous allons soumou. Quand on est pauvre, nous allons soumou. Tout bien qu'on a rentre société, moi je vais élever, nous allons soumou. Comment on a acte à bongo? Natali yango. Comment se fait-il, mes parents vont encore soutenir, étant que humain, étant que humain, à nos talis vont monique, acte bana va poser, ils a bien. Comment vont encore soutenir acte bongo que bana va violer, et puis aux parents, au permettre na yo, au comment qu'on menace sous famille ou à victime. Vraiment, ça fait très. J'ai eu de larmes aux yeux. Tant on a moni vidéo wana. Bah tu fais tous un acte cœur, moko, tous un amitié, maman y a compassion. Toi, tu es sous la deuxième république. Toi, tu es sous la troisième république. Toi, tu es sous la quatrième république. Toi, tu es sous la cinquième république. Oh, il y a mon président à la CAQ qui a battu l'état des droits. État des droits, il faut que je me fasse même au niveau de la justice. Moi, je suis violé. Moi, je suis bébé Sivia. Moi, je suis par 9 garçons. Je suis violé. Donc, tu es sonné dans le monde. 9 garçons pour violer moi, je suis battu. Je suis un mineur. Mais 17 ans, déjà, garçon, déjà, cola. Parce que moi, j'ai 17 ans, bien que je suis 18 ans, parce que moi, j'ai une école qui est en train de se faire. Moi, j'ai un peu de 13 ans pour violer. Et puis, j'ai une école. C'est méchant. C'est de la méchanceté. C'est ça qui m'a fait. Et puis, mes parents ont menacé la famille. Donc, qui passe? Ce que bateau basa mon la voix de sang bateau bana pour bana bana bateau ko lobela te c'est pourquoi ba famille onoko bana ba famille ko renommé réputé basa bana ya ya wana fo bana ko malmené ba msusu bana na ba sengeli na correction bana parce que ba ko ki na bango ko tika bango oui mais ba parents boye ba ke bo baby sin éducation bana mino parce que déjà bo entraîner bango dans le loco moko ya mabé pour ba ko sel le loco msusu o borondimaté. Je n'ai pas bafoué. Parce qu'on dirait que tout ce qui est en train de se faire, c'est que tout ce qui est trop d'orloté. Voilà, justice, c'est un héros salema par rapport à Kawana. Toi, la 5e République, n'oublions pas. Le président est l'état des droits. Nous avons un 5e état des droits pour moi. Alors, moi, je ne vais violer pas 9 garçons. Bien que baza ba mineur mais o ya suka ba tche ba aja ba 15 ans 16 ans 17 ans. Et ça j'ai belé.
ba centre ba rééducation ezali o ke ba ko ko rééduquer bana wana po msu ba parents ba ko ka kité mais ça passe na ka o ya viol il y a une mineure de 13 ans tout ça pourquoi bana en classe bozo ranvier ceux qui nous ont amuninga ceux qui penini boke bo chelier loko bo violer 9 garçons. Nous espérons quoi que parce que depuis que famille est comme menacée, nous espérons que justice moko kozala équitable qu'on a voyé bah réellement qu'est-ce qui s'est passé. Nga vraiment le touché ngai ezaka ka mingi mingi vidéo wana na makam na moni wana yango chininga na sala vidéo oyo. Mboka na biso fo droit ezala. Il faut état de droit né président de la République à l'obaké zala. Il faut ezala na makambu nyoso na ba domaine nyoso. Moi nana c'est une jeune fille, c'est une mineure. Bo violer pas 9 personnes. Yabisanga mona mo ba violer pas 9 personnes. 9 s'il vous plaît. Na moi on a 13 ans. Ça fait trop mal. Ba jeune éducation ce que pour le loba bato nyoso ba zala te jeunesse allo binde ezali. Bato va remplacer bato aller lorsque on a jeunesse ni ngwe ko remplacer jeunesse oyo en tout cas les parents ont beaucoup à faire pour les enfants les parents ont beaucoup à faire na éducation ba parents ba kansa lo kwa ke éduquer moko éduquer moi neza ke soki mwana lobino akali kamka oui na nyoso non il faut ba règlement ils à la fois que les parents doivent être stricts makamususu parce que trop de laisser aller tel un bloc e robota bana bazana ba laisser aller trop ko tala tala baba ba ko tika bana regarder n'importe quel sous ba cause image un peu ba tala kango quelque part il faut toujours ba paya ba parents ba veiller kana biloko bana bazola ndaka surtout na ba télévision na ba internet il faut que le parent veille sur ça ba biloko bana bazoko taka ko taka na ba internet to bazoko taka ko taka ta bazoko tala taka biloko bazoko tala kana ba télévision o ndezo baby sa bana Romona wa msu bokasi mona zana ordinateur ze sur internet bokasa to sa recherche msu na makambo ba cour moro bonzo rande asa ne recherche na makambo ana te ba makambo na so kota ka ba internet ba youtube ba nini makambo e bele ba insanité zana bana ba so copier toujours le mal alors les parents ils doivent veiller sur l'éducation des enfants na ba biloko bana ba talaka biloko donc c'est ça donc il faut aussi savoir dialoguer avec les enfants Koye bakabana déjà na ba âge on a déjà partir à ba 13 14 à 15 16 ans 17 ans ba âge on a adolescent so na ba âge on a na le bon akosola na ba parce que bana ba comme ka trop rebelle le parent est ba garçon bongo mingi papa foye ba akosola na bana no ya mibali pa ba point musu maman koko lo baté papa ne muto koko lo bango maman pe avec les filles to condamner pe ka ba garçon à 100% té to condamner bango oui mais nous aussi ba si peut-être né le loco moro bo oh pe ba parents moi na sana mukié mais ba parents ba lettre sera ben moi na sana mona mukié moi si mona sana ba partir nous autres déjà exposé moi mona parents aux lettre mona no na ndenge moro bo ya bien té tant on peut banana mi bali pe ba zo mona pe que ah moi na zola ta ba partir nous autres même tout tika libanda e ko tinda ka bango ba ya vers moi na wana ne ma côté ba accoutrement moi na sana mukié mais bala msuba zakaza na na aja mukié ba sana nzoto zo kola minene minene Alors, il y a besoin de ce que les blocs sont serrés quand ils sont kangakabana, mais ils peuvent avoir besoin de barolanda kak. Alors, ben on peut passer devant bien éduquer, tu peux battre, tu peux aller sur YouTube, à côté, na banini, battre à taba, bas site pornographique, ma grand-mère, ben ma ben, bah on sait la réaction, on a bas saluana. Donc, bas parents même pour na bana basi, il faut toujours veiller à ce que koye bara qu'est-ce que nos enfants regardent, et bana bas koye bara toujours, ils leur ont toujours la tira bango, koso la rappelle surtout bana basi. Donc ce que je pouvais dire na mukuse yango wana j'étais choquée comment na vidéo wana j'étais choquée ya comment na kaka loko salinga pas ça toujours parce que famille wana esa famille moko esa faible alors bato ba violer moi na wana ba famille na ba famille moko renommée ba komi ko cha ba accusé famille victime plutôt ba komo cha bango mal à l'aise dans le sens que bango lokola bazana mbongo ba moni que justice ko zapona bango te justice faut salema mais biso pe ba parents côté ba famille pas victime il faut pe ko yeba comment est-ce que bana biso basi ko edika ka bango même na elate li na makambo belé je crois que makambo belé ko zala et ko komate voilà ça n'est fini pour ce numéro c'était juste chaque semaine nous aurons toujours les questions d'actualité. Question d'actualité, en tout cas, micro, l'émission Lissanga Force TV,
nous allons toujours essayer de parler avec vous, les internautes, avec vous, Bato Bolandarabiso, tout le monde qui débattre sur ma cambo, et ça bien, parce que bonne marche, il faut que ça soit. Donc je crois que on a regardé Kolobanabi, on a beaucoup sangwana. Merci na batunye sobo Kolanda vidéo. Oh yo, n'hésitez pas à aimer à aimer notre chaîne Lisanga Force TV, à partager mes émissions, à commenter si il faut, ma critique toi on a besoin pour que Moussa Nabi soit toujours bien. Et merci à Sama qui est derrière la caméra. Merci à Dieu Mbassi qui va assumer montage et émission. Oh yo, et on se retrouve au prochain numéro. Au revoir.